Janine, les concours de triple saut au championnat de France sont toujours très spectaculaires. Celui-là n'a pas échappé à la tradition. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur ? Mais moi, je suis contente parce que j'ai battu mon record aujourd'hui, mais je reste quand même un peu frustrée parce que c'est des sauts où je n'ai pas pu maîtriser. C'était quand même très gênant. J'arrive vite et je sais que je suis en forme, j'ai les temps de suspension, mais ça ne veut pas. Donc c'est comme si j'assurais des sauts et ça, c'était un peu compliqué. Mais j'ai réussi à rester dedans. Après, je bats mon record. Bon, je suis contente. Hein. Je ne suis pas cachée dans la soupe. Et puis, voilà. Vous voulez la deuxième performeuse européenne de l'année. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention ? Sans vous mentir, j'ai pas regardé les bilans et franchement, je pense pas du tout au bilan européen parce que les bilans, ça veut rien dire. Le truc, c'est qu'il faut arriver au championnat le jour J et puis voilà quoi. Et quel est votre programme justement d'ici ces championnats d'Europe à Berlin ? Alors déjà, je vais faire une dernière compète à Rabat vendredi. J'enchaîne avec la World Cup pour faire qualif finale pour m'entraîner encore un peu plus pour les Europes. Puis je vais m'entraîner, je vais rentrer dans ma préparation dure et ensuite les Europes quoi.